Allez, mesdames et messieurs, vous l'avez vu tout à l'heure lors de la conférence avec Laurent Bayeux. C'est un athlète, un très grand athlète, plus d'un mètre 90. Je ne vais pas dire son poids, mais vous allez le deviner. En tout cas, c'est un athlète de la région de Franche-Comté, dans le 25, qui nous fait l'amitié d'être là. Il a beaucoup travaillé durant les Jeux Olympiques. Il est là pour nous, pour le passage du relais de la flamme paralympique 2024 au Cours-la-Bé, ici à Châtillon-sur-Seine. Deux titres de champion de France, première sélection en équipe de France de VTT Trial, c'était en 2014, et il a atteint la médaille d'or au championnat du monde 2015. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Nicolas Fleury. Quelle introduction! Est-ce qu'on peut avoir plus de micro en régie, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir plus de musique en régie, s'il vous plaît? Magnifique! Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que comme ça, tout le monde m'entend aussi? Ça va, ouais? Ok, magnifique. Chatillon, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, on est en Bourgogne, ça fait plaisir. Je vais expliquer pour cette chose, vous allez voir, c'est très très simple. Okay. Ouvrez grand les écoutilles, c'est les deux seuls consignes de la journée. Première consigne, messieurs-dames. Je fais du vélo, vous faites du bruit. Ok, ça va pour tout le monde? La consigne. Deuxième consigne, attention, beaucoup plus compliqué. Ouvrez les oreilles. Et gardez de la batterie dans les téléphones, ça rendra le coup dans 10 minutes. Deuxième consigne, vous faites du bruit, je fais du vélo. C'est bon pour tout le monde, les deux? Ouais? Non, j'ai rien entendu, Chatillon, c'est bon ou pas? Ok, on fait un petit test quand même, on fait un petit test parce que je suis quand même pas sûr que vous ayez très bien compris. 13 dans 3, 2, 1. Oh, right, pas mal. Moi, je savais que les bourguignons, ils étaient un peu chauds. Pour finir l'échauffement, ou même pour commencer l'échauffement, j'aurais peut-être besoin d'un cobaye, s'il vous plaît. Un adulte. Avec une assurance béton. Voilà, ça balance direct. Ok, ok. Première cible. Tu peux rentrer par là? Comment tu t'appelles? Amaury. On fait du bruit pour Amaury, s'il vous plaît! Il s'est fait balancer lâchement par sa chérie. Ouais, voilà, c'est bon. Ça règle des comptes ici sur la dalle, c'est pas faux. Amaury, pour finir cet échauffement, je vais te demander de... Tu vas bien d'abord? C'est le temps. C'est de l'île, d'accord, donc t'es bien. Ok, ok. En vacances à Châtillon tous les ans. Non, pas. À la Ferté, ok. Quelqu'un connaît la Ferté? Non, personne ici. Personne. Ça n'existe pas, t'es un menteur, Amaury. Oui, tu peux partir. Amaury, allonge-toi par là, peut-être. Sur le dos, ouais, là, par là. Ouais. Amaury, t'as mis l'écran en total ou pas? Ok, super. Tu peux mettre les bras le long du corps, Amaury. Amaury, tu peux serrer les pieds, tu serres les bras, tu serres les dents. Amaury, d'habitude, j'ai une blague sur la coupe de cheveux, mais avec toi, ça va être compliqué de la faire. Est-ce que t'as des abdos, Amaury? Ouais. Ah, c'est gainé, hein. C'est gainé. Ok. Tout de suite, le Châtillon, vous allez vous échauffer aussi, ok? Allez, petite consigne en plus. À chaque fois que mon pneu tape le sol, je veux vous entendre taper dans les mains une fois. C'est bon pour tout le monde? Ok, on fait un essai. Non, une fois, on a dit. Bon, pour les Suisses, on refait un essai. Wow, c'est les Belges là, peut-être, non? Hein? Ouais. Bon, on va y arriver quand même, ok? Châtillon, s'il vous plaît, concentrez-vous. C'est pour Amaury qu'on fait ça. Ça va? Moi je t'avoue que je suis pas échauffé. On a avancé le show de 15 minutes, c'est pas bon. Ok. Châtillon? Ça commence à venir. Amaury, tu fais du vélo un peu? Un peu, ouais. Ok. Amaury, tu sais que... Ça, c'est une pédale. Ouais, ça, tu sais.
Et moi j'adore discuter dans cette position là, je sais qu'à moi il est très à l'aise. C'est aussi que... ça fait un peu. Ouais. Non, pardon. Ah oui, t'as eu des enfants, toi, par contre. T'as eu des enfants, Hein? En plus, ça fait... Je suis un peu plus grand. Ouais, ça va bien, toujours. Si ça chatouille, à un moment, tu me le dis. Tu vas bien, ok. Ok, cette fois, on va faire la même chose, ok. À chaque fois que ça tape le sol, je vous entends en synchro avec mon feu, ok. Par exemple, si je vous prends au dépourvu avec mes sables. Ok, ça part dans 3, 2, 1. On va pouvoir passer aux choses sérieuses peut-être. Amaury est venu avec son fan club. Tout le monde, t'as vu que tout le monde a applaudi plus que moi. T'es un peu jaloux. Ah, attendez. Attendez. On peut couper la musique, s'il vous plaît, en régie. On peut faire du bruit pour Mathieu et Clément, s'il vous plaît. Ok, les gars, on prend le temps du coup. Ça part en brésilien. Voilà. Ça, c'est le chauffe pour eux aussi. Ils débarquent, les gars. Moi, j'ai arrêté le foot à cause de ces mecs-là. Ok, monsieur Clément. Et ça enchaîne.
Monsieur Pierrot. On va faire un monsieur qui est deux fois France, trois fois champion du monde en duo. Oh là 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 là, quel contrôle. Les trolls, la vie, la terre. Bon là, excusez-nous, hein, ceux qui voulaient voir du vélo, c'est quoi ce bazar? Vous avez un micro, non? Quelqu'un, on peut leur filer un micro, peut-être? Vous étiez dans le coin comme ça, là. Ouais, on s'est dit, tiens, il y a notre pote Nicolas sur scène, si on venait faire un petit tour pour montrer ce qu'on sait faire avec le ballon. Ouais, ben, je crois que c'est ça, un petit tour pour eux. Enfin, ok, les gars, j'ai vraiment arrêté le foot à cause des gars comme vous. Vraiment. Bon, du coup, j'ai fait un peu de vélo. Qu'est-ce qu'on fait, Jati? On arrête là tout de suite ou on continue un peu? On continue? Ouais, est-ce que vous voulez en voir un peu plus? Là, c'était juste l'échauffement en vélo et au ballon. Elles sont pas très chaudes encore. Ouais, je crois pas. Vous voulez en voir plus ou pas? Ah, donc on n'a pas le choix en fait. Là, on a pris un coup de pression, je crois. Je crois qu'on est pris au piège, mais bon, on n'aurait peut-être pas dû venir. En régie, on a du son encore ou pas? Ou c'est la fin? Parce que s'il n'y a plus de son, on peut arrêter. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, Clem? Toi, t'as des idées sur le vélo, des challenges, des trucs? On veut faire des trucs, je sais pas. C'est roulé sur une roue? Ouais, c'est pas bon. Un petit peu sur la roue avant. Un petit peu sur la roue arrière, mais c'est aussi. Sur des obstacles. Ok. Ok, on encourage, s'il vous plaît. On peut faire un peu de rotation aussi. Ah ouais. Ah ouais, ok. Comment t'as le tour? Il va utiliser tous les membres, je pense. Ça va peut-être aller plus en plus haut. Est-ce que tu peux venir voir, s'il te plaît? Mesure avec tes mains à main ou le nombre de doigts. Peut-être. Ok, ça fait une phalange. Ça fait une phalange. Là, il va falloir l'encourager, lui donner un maximum d'applaudissements. Ça va être très très chaud. C'est plus fort que la rouge. Ouais, c'est une tente, c'est plus fort que la rouge. Content de. Un petit peu sur l'équilibre ou pas? Ah, bon, c'est ça. On se souvient des deux consignes de base, hein. Mais non, mais non. Du coup, il faut Nicolas Poiré, s'il vous plaît. Yes. Oh, c'est chaud. J'ai peut-être une idée pour vous, Clément Mathieu. C'est vous qui allez décider un peu de la suite avec Châtillon. On va monter d'un étage d'abord. Ah, je sais pas. Vous avez envie qu'il monte d'un étage ou pas? Faites du bruit si vous voulez qu'il monte d'un étage. Il hésite encore un peu, je crois. Faites du bruit pour Nicolas. La petite pointe. Ouais, mais en fait, je sais pas s'il en est capable. Mais moi non plus, j'entends pas grand chose en fait, c'est ça le problème. Il va falloir faire plus de bruit que ça.
Tu verras, même si t'es pas pour moi, ils vont bien t'accueillir et accompagner. Bon là les gars, j'ai peut-être des... Comment ? Plus haut, elle est vénère, elle est vénère. Elle est pas venue là pour rester du terrain à station. Les gars, j'ai peut-être trois options à vous présenter. Et vous allez voter pour la pour celle que vous préférez, ok ? Vous votez avec Chatillon, ça se joue à la peau du maître. Ok ? Alors... Ouais, j'ai trois options. Option numéro 1. On essaie de descendre directement par terre depuis ce module-là. Je sais pas quelle hauteur font les trottoirs à Châtillon, mais celui-là, il est quand même un petit peu haut. Option numéro 2. On essaie de prendre la barre d'équilibre en descente. C'est un petit peu plus dangereux qu'en montée. On a la gravité qui nous donne de l'élan. Option numéro 3 et dernière. Pour le coup, vous avez déjà votre préféré ou pas, les gars? Je crois que j'ai déjà ma petite préférée. Option numéro 3, c'est là, vous n'êtes pas obligé d'écouter. On essaie de passer directement de ce module-là au module là-bas par la voie aérienne sans rien toucher. Okay. Non, attendez. On va jouer à la fête du mat. On peut la jouer à la fête du mat. Faites du bruit pour l'option numéro 1. Ouais. Pas mal, franchement. Pas mal. Fais du bruit pour l'option numéro 2. Allez, faites du bruit. Ok, bon, ça part sur la 2, du coup, c'est ça? Attends, Nico, je crois que t'as oublié l'option numéro 3. Ah non, oui, pardon, excuse. Faites du bruit pour l'option numéro 3. Ouais, je crois que Nico, il était pas chaud, mais à mon avis, le public, il a choisi. Non, entre la 2 et la 3, c'est serré, non? C'est serré. Attends, on va redépartager pour être sûr. On va redépartager pour être sûr, mais à mon avis, je pense qu'ils ont choisi. L'option numéro 2 ? Ah, il y en a qui sont chauds. Et l'option numéro 3 ? Waouh, ok, là c'est à l'unanimité. Je pense que là t'as plus le choix, Nico. À toi de jouer. Donc c'est à la 3, c'est ça ? On te laisse tout seul dans ta galère. Je vous remercie pas, les bourguignons, et encore moins à toi. Merci. C'est par la voix aérienne qu'il a choisi. On l'encourage. Ça fait clap. Histoire d'être pas déçu. Oh là là, c'est chaud. C'est sur un fil. Sur le fil du rasoir. C'est malade. Toi, je t'en tiens. Toi, je tiens, parce que c'est... Non. Je tiens juste après, ok? Moi, j'ai assez bossé, je trouve. Ouais. On ne voit pas beaucoup transpirer, beaucoup parler. Beaucoup... Et on était venu juste pour faire un coucou. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. Vous avez rien en stock, là, les gars? Je sais pas. Vous voulez en voir un petit peu ou pas? Je crois qu'ils en demandent un peu, hein. Bon, pas le choix non plus, je crois, là. Non, y a pas le choix. Qu'est-ce qui se passe ? On a du son un peu freestyle, pour eux ? Qu'est-ce qu'on a ? Ok, c'est bien. Ah ouais, c'est bien, ça aussi. Bon, Châtillon. Je crois qu'il va falloir faire un peu de bruit pour encourager et chauffer Mathieu Pierron. Yes, guys, let's take a look.
Et voilà notre quadruple champion du monde en duo. Monsieur Clément qui nous vient du droit de ligne. Oh là 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 là, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte. La technicité du monsieur. Oh là 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 là. Pushing my wrapped in a wrapped around. Psyche's sabotage, and Nike's need a job. Portraits in the fog, tilted up the smog. Information log, so fast the past recalls. I bet the future falls, fades away. On vient perturber un petit peu à chaque fois. C'est ce qu'on fait, du coup, il va falloir relancer alors, Nico, si je comprends bien. Ouais, j'ai un peu l'impression là avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? On prend de la hauteur. Tu veux faire quelque chose là, avec un module en particulier? Je sais pas, on a. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une dernière fois de la hauteur ou. On a. Vous avez des idées, Philippe, ou pas? Oulala. Ah non, non, celui-là c'est pour faire de l'ombre à Mathieu, celui-là. Celui-là, le gros là. C'est lequel? C'est celui-ci? Ouais. Mathieu, j'ai mis. C'est Franklin? Tu mesures combien là? Donc là, on a un Mathieu là, à peu près. Non, regarde, je dépasse d'une tête. Ah ouais, à peu près, un peu. Qu'est-ce qu'on fait, Jackie? On monte ou pas?
Ouais, j'y crois pas, franchement j'y crois pas, je le vois sur les shows à chaque fois. Monter comme ça du sol à ce module là, non frère. Tu peux déjà abandonner, c'est pas la peine. On va attendre un truc, ok. On va d'abord commencer par monter là avec une technique un petit peu différente de ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant qu'on est chaud, tout à l'heure on l'a fait avec de l'élan, on va essayer de changer l'élan. La technique ça s'appelle le latéral. Le latéral on se met parallèle à l'obstacle, sans élan sur la roue arrière, on essaie de tenir l'équilibre. Et quand on le sent, des fois quand on le sent pas aussi, on fait, je sais pas exactement ce qu'on fait, mais voilà ce qui se passe. Avec moi sur le vélo, bien sûr. Donc c'est facile. Est-ce qu'on essaye un latéral? Okay. Alors j'ai une contrepartie à vous demander. C'est un mouvement super technique, super physique, qui demande une détente de folie. À partir du moment où ma roue avant est levée, c'est seul. Je veux que vous fassiez trembler chatillon, ok? C'est bon pour tout le monde? Ok. Suspense. Ça c'était l'étape 1, l'étape 1. L'étape 1, c'est ça qui me fait peur. Là, je sais pas si vous vous rendez compte du coup qu'il y a entre les deux quand même. Monsieur, vous avez un bon avocat? Vous avez un bon avocat? Oui? Et moi je me laisse pas faire, hein, en fait, car si ça se passe mal, vous allez en entendre parler. T'inquiète pas, Kiko, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des avocats, il y a des pompiers aussi derrière, je pense. Ah, ok, Chapi, on fait la même chose, ok? Dès que ma roue avant se lève, j'entends un gros bagarre. Attendez, laissez-moi un petit peu de l'air. Et il y a en pleine concentration là. That was Mozart. Ok. Oh là, il n'y a que des... Ah ok, donc une première fois, c'est ça? On a tout. Chop. Lui laissez pas le choix. On a rien du tout, champion. Ça s'appelle un nose 360. Nose, parce que c'est le nez. L'idée, c'est pas que je passe sur mon nez, c'est que je passe sur le nez du vélo, la roue avant. Une rotation à 180 degrés, un petit peu plus. Et une fois que je suis dans cette position-là, particulièrement agréable, okay. C'est bon? Bah, attendez, ça n'a pas commencé encore. Hein. Une fois que je suis dans cette position, bah, vous verrez. Parce que même moi, je ne sais pas comment ça finit. Ça vous va, ça, notre pratique, ouais? De toute façon, si ça vous va pas, c'est la même. Ok. On va peut-être pas s'arrêter là quand même. Ah t'as encore des idées, non? On peut même jongler sur les modules là, si tu veux. Ouais, c'est pas que vous fassiez mal. C'est un peu dangereux, mais on peut essayer. On les fait prendre un peu de hauteur ou pas? Mais Clément, toi t'as pas le vertige? Tu m'avais dit que t'avais le vertige, non? Un peu? Bon, y'a pas... Ok, vas-y Clem.
Ok, par contre les gars, je vais avoir besoin de vous, j'ai une autre idée moi. Dans quelques minutes, j'aurai besoin de votre corps, ok? Ok, juste de votre... Ouais, gardez-le vivant, s'il vous plaît. Juste... C'est quoi, c'est sieste là ou vous comptez... Ouais, c'est sieste? Un châtillon, petite sieste, ok. Ok, faites pas de bruit surtout, châtillon. Ah, je crois qu'ils veulent vous réveiller. Allez, on leur donne de la force à nos freestylers. Venez de nous à Paris. Je sais pas si vous vous rendez compte de la technicité. Il vous demande de l'aide, il vous demande de l'aide. Et que vous pouvez vous arranger là. En fait, je vous explique, d'habitude j'ai des poids. Ouais, bah oui. D'habitude j'ai des poids, là on n'a pas pris les poids. J'aurais besoin que vous vous arrangez là. Et moi je vais arriver depuis là-bas. Et il ne faut pas que le module là bouge. Ok, donc, mais je crois que vous avez les abdos, vous avez les épaules solides. Donc vraiment, ouais. Ouais. Mathieu, mets ton bras dessus peut-être, sur le module, ouais, comme ça, je vais te tenir un peu, ouais, rapproche-toi un peu quand même, serrez-vous, vraiment serrez-vous à fond. On va faire comme ça, ok? Ça va? J'ai très envie qu'on se sauve tous et qu'on les laisse juste comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire, Châtillon? On fait un petit test, une prise d'élan. Oui, les cycles de 3, ça m'attend, messieurs. Une petite prise d'élan et en fonction de ce qui se passe, on a vu. We put in work. C'est bon, je crois que j'ai pas besoin de toi, en fait. Ouais, parce que j'ai peur d'être vraiment trop chez toi. Mathieu, ça se coule, ça va. Ça bouge un peu? Ça marche, ok. Vous avez de la marche? C'est tombé, Châtillon. Est-ce que quelqu'un a une idée d'une figure en dernier truc? Un quoi? Tu peux le dire dans le micro? Vous avez entendu ta connerie, non? Non, vous avez pas entendu? Vous avez entendu cette fois? Non, c'est bon, toi, tu n'as pas la parole. Il a dit un maxi. Un backflip, c'est un salto arrière. Pour faire un salto arrière, il faut beaucoup d'élan, des rampes de plus d'1m50 et surtout personne derrière. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses sur un backflip? Mathieu, ton avis? Non, mauvaise idée. Clément, t'en penses quoi, pas? Toi, t'es chaud. Toi, tu veux perdre un collègue, en fait. Hein? Ok. Vous nous écarterez peut-être à peine des barrières, s'il vous plaît. Faites un petit peu en arrière, on sait jamais. En régie, est-ce qu'on peut avoir la Primoza? Depuis le début. C'était pas prévu ça. Hein. Mathieu, tu doutes pas?
musique d'équipe.